Bien, mes chers collègues, bonsoir. M. Dunan est présent, ainsi que Mme Court, M. Pelet Mme Vanel-Normandin, M. Robé. Il est là. Mme Cossard, M. Kruipenin. Mme Blandin est excusée, donne pouvoir à Mme Ségolène Villot. Elle est arrivée, Ségolène Oui, elle est là. M. Venard est présent, ainsi que Mme Gilet. Euh, Mme Assnar est excusée, donne pouvoir à M. Cadou. M. Cadou est présent, ainsi que M. Danguy, M. Dezet, M. Mazet, M. Ivanez, Mme Vuillot. Madame Husson, M. Pelletier est excusé et donne pouvoir à M. Ivanès, Mme Sétier est présente, ainsi que Mme Gier, Mme Luzi, M. Sigaud, M. Van Varenberg Loïc, il est excusé, oui pardon, et il donne pouvoir à Mme Vanel Normandin, Mme Zeller-Planté est présente, ainsi que M. Levitre, Mme Martineau est excusée me donne pouvoir, Madame Cecilia da Silva Diamantino, ah elle est là, super Monsieur Molinas est excusé au dernier moment pour des questions professionnelles qui n'étaient pas prévues. Et donc, il donne pouvoir à monsieur Dorian Mazet, monsieur Julia est présent, ainsi que monsieur Dubou, madame Garnier, monsieur Boquet. Bonsoir à tous. Je vais vous proposer de reconduire madame Dominique Court comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre Des abstentions Je vous remercie. Approbation du PV de la séance du 4 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des. Remarques sur ce compte rendu, pas de remarques, des votes contre, des abstentions. Oula! Alors, les abstentions, c'était les absents du jour. Il y a monsieur Boquet, madame Garnier, madame Luzi, monsieur Levitre, monsieur Cadou et monsieur Danguy qui sont qui sont oui, qui s'abstiennent. Premier point, l'ordre du jour. Donc, il s'agit de points assez administratifs et comptables. C'est la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. C'est un changement de nomenclature comptable qui touche toutes les collectivités locales. C'était euh, inscrit dans la loi NOTRE qui a été votée en 2015 et il y avait des délais de mise en place de ces règles budgétaires et comptables M57 qui vont remplacer donc nos règles actuelles. Ça doit être effectif dans toutes les collectivités d'ici au 1er janvier 2024 et nous, on est expérimental. Hein. Il y a 7 ou 8 communes du pays de Jacques qui sont en test pour ce sujet-là, dont GEX, et puis on a Pays-GEX Aglo qui est aussi concerné par cette période d'expérimentation. Donc il s'agit de, de reprendre le plan budgétaire sur les principaux, les principes communs aux trois référentiels M14. Alors c'est un peu du charabia pour les gens qui ne gèrent pas le... Les, comment, le budget et la comptabilité, mais on a nos services qui sont là pour ça, ne hein, vous inquiétez pas. Moi, je suis loin d'avoir tout intégré aussi, pourtant ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis, vous avez euh, l'intégration des différents plans comptables et des différentes règles comptables qui géraient euh, les départements, les régions qui avaient des systèmes aussi spécifiques. Voilà, donc il s'agit d'acter... Euh, ce, 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 nouvel, euh, ce nouveau plan comptable et cette nouvelle comptabilité publique, cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable pour notre budget principal, mais aussi pour le budget annexe euh, bois de la commune de Gest, à compter du 1er janvier 2022. Donc, euh, de conserver un vote par nature et par chapitre globalisé au 1er janvier 2022, euh, de m'autoriser. À des mouvements de crédit de chapitre en chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, puisqu'on va avoir cette souplesse, hein, vous l'avez vu dans la note de synthèse, euh, ce, cette nouvelle application permet aussi d'avoir une certaine souplesse pour éviter d'être obligé de repasser devant le Conseil à chaque fois qu'on a des arbitrages dans, dans le cadre du même chapitre sur euh, différentes lignes, mais avec évidemment des limites pour euh, ne pas tronquer, disons, le pouvoir du Conseil municipal sur l'exécution budgétaire et de m'autoriser donc enfin à signer tous les documents permettant l'application de cette présente délibération. Donc il y a un travail, il un hein, commun avec ces différentes communes qui sont concernées, plus l'agglo euh, de formation et d'échange d'expérience de, avec en appui euh, le Trésor public, euh, même si on va avoir aussi des changements à ce niveau-là de façon très importante. Est-ce qu'il y a des questions Je sais que c'est très technique, hein, à part M. Dubou, je ne sais pas qui sait qui pourrait intervenir. Il faut quelqu'un qui était dedans jusqu'au cou. Non, mais je veux dire au niveau connaissance... Euh, et plan comptable, c'est compliqué pour tout le monde. Déjà, quand vous êtes commerçant ou que vous avez une activité où vous devez le gérer, c'est pas facile. Alors pour la commune, j'imagine, ça vous passe un peu au-dessus de la tête. Faut dire les le jaunes. Ce qui est fort tenir, c'est que ça modernise et ça se rapproche en fait de la comptabilité, enfin de l'exercice budgétaire et comptable publi, euh, privé, hein, de, de, de l'activité économique. Euh, c'est de moins en moins euh, spécifique à l'administration. On glisse plus vers euh, vers des règles qui sont un peu de droit commun, on va dire, sur l'ensemble des activités. Donc euh, voilà, ça c'est l'idée euh, qui est poursuivie depuis des années, hein, puisqu'il y a déjà eu des évolutions. Et puis surtout une souplesse de gestion à la marge, mais quand même sur justement pour éviter qu'on ait des assemblées délibérantes qui soient surchargées avec des votes qui parfois se concernent des virements de crédit qui représentent presque rien sur le budget général. Voilà, c'est en gros ce qu'on peut retenir nous dans le côté pratique. Et pour le reste, on verra, on dira si c'est bien ou pas quand on aura l'expérience du fonctionnement, parce que quand c'est en théorie c'est toujours bien, puis après dans le la pratique, ben, il faut quand même se rôder et ça met un certain temps. Voilà, vous ai rappelé aussi à titre d'information ben, quel euh, volant ça permettrait d'arbitrer, par exemple, sur notre budget de l'année si on avait déjà cette application sur cette année. Est-ce qu'il y a des questions C'est un peu. C'est toujours un peu compliqué, mais bon. Pas de questions Des votes contre Des abstentions Bien. Ensuite, donc, on a la suite, c'est-à-dire le passage à cette nomenclature M57, les modalités de gestion pour les amortissements. C'est voilà, l'application sur cette partie amortissement des, des durées. Enfin, vous avez un tableau hein, qui reprend euh, par type de, de bien euh, le tableau des amortissements et leur durée, puisque suivant que c'est de l'informatique, par exemple, ou des biens immobiliers, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, par rapport au tableau que vous aviez en annexe, il vous est proposé d'arrêter la durée des amortissements conformément à ce dit tableau d'adopter l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis à côté de la mise en service de tous les biens acquis. Ça veut dire qu'on colle à la réalité de l'acquisition de ces biens pour les amortir. Là aussi, je suis désolé, mais j'ai du mal à trouver les mots pour rendre ça sexy, mais voilà, c'est en tout cas la réalité. Et puis, aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour les catégories d'immobilisation. Conformément au tableau qui, qui est joint et qui faisait l'objet d'un suivi globalisé, qui fait l'objet d'un suivi globalisé et amorti en une annuité unique au cours de l'exercice suivant son acquisition. C'est clair. Les choses sont parfaitement posées. Voilà. S'il y a des questions, je demanderai à mon, à mon directeur général des services et puis à notre directrice des finances de bien vouloir m'accompagner parce que là, j'aurai besoin évidemment d'un soutien très précis et puis de valider l'application de ces dispositions pour le budget principal et notre budget annexe qui seront soumis donc à cette instruction budgétaire et comptable M57. Je crois que le plus simple c'est quand même de dire que les amortissements dans le cadre de cette nouvelle façon de gérer le budget et, et donc l'exercice financier de la commune, eh c'est de coller euh, à une réalité sur les amortissements, de plus être dans des, des principes un peu généraux et puis des amortissements en décalage. Là, on est vraiment dans la réalité comme peuvent l'être les entreprises, encore une fois, euh, qui servent de, de modèle à l'évolution de ce plan comptable, enfin de cette manière de gérer euh, les finances et le budget. Pas de, pas de questions C'est vrai que les questions sont dangereuses. Là, hein. Si vous posez des questions, il faut être sûr de vous. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre Des abstentions Merci. Le point 3, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier. C'est une opération qu'on fait dans toutes les collectivités, du coup, puisque du moment qu'il y a cette mise en place, il faut aussi qu'on ait des règles qui s'appliquent euh, à, à tous, mais qui soient claires aussi pour que les gens sachent dans quel cadre on évolue. Donc vous avez quatre chapitres, enfin quatre titres. Le cadre budgétaire tel qu'il est défini donc, euh, dans le cadre de ce règlement. L'exécution budgétaire, quelles sont les règles qui s'imposent dans l'exécution budgétaire, vous avez tout ça dans les documents annexes. En titre 3, vous avez les opérations financières particulières les opérations de fin d'année, qui sont des, des règles spécifiques pour clôturer les exercices, entre autres. Et puis, euh, en 4, donc, le chapitre sur la gestion de la dette. Ce règlement budgétaire et financier, euh, il évolue évidemment en fonction des modifications législatives et réglementaires, qui ne manqueront pas d'arriver, puisqu'on est un pays qui légifère beaucoup. Et donc, vous avez un règlement qui peut évoluer dans le temps, évidemment, puisque la loi, elle, s'impose et le règlement, évidemment, est en bout de course. Donc, quand il y a des modifications sur ces différents sujets qui interviennent, automatiquement, évidemment, le règlement doit s'imposer, enfin, doit s'imposer l'intégration de ces nouvelles règles. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le document en annexe. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Pas de questions particulières eh bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre Des abstentions Ensuite, donc, on a le, en point 4 le renouvellement de l'engagement de la ville de Gex à la certification forestière PEFC. C'est M. Jérémy Venard qui rapporte. Oui, donc la commune pratique une gestion forestière durable certifiée PEFC, qui signifie programme de reconnaissance des certifications forestières. Donc, ce certificat expire au 31 décembre 2021. L'engagement PEFC permet notamment de bénéficier d'un certificat de gestion forestière durable, adapté à la petite comme à la grande propriété forestière, de se doter d'un avantage concurrentiel lors de la vente de bois communaux, de bénéficier d'un accompagnement dans la démarche des certifications forestières de la part de l'équipe PEFC Aura au rhône alpes de valoriser la démarche de la commune avec un label international, de participer à la promotion du matériau bois grâce à la marque PEFC, de fournir en bois certifié les entreprises locales qui s'engagent dans, dans la gestion et l'exploitation durable des forêts et qui répondent à une demande des consommateurs quand, euh, quant à l'utilisation de bois issu de forêts gérées durablement, et de pouvoir accéder à des aides publiques pour des travaux sylvicoles. Donc il est donc proposé de renouveler l'engagement de la commune à la certification forestière PEFC pour les cinq prochaines années. Et le montant de l'adhésion s'élève à 1725 euros pour les cinq ans. Des questions, Monsieur Venard C'est Jérémy qui le présente parce que vous trouvez intéressant de mettre cette partie-là, non pas dans les travaux, mais dans le pacte au sens large. En tout cas, tout ce qui touche à l'aspect environnemental. Ça permet de... D'avoir une réflexion qui est plus tournée vers ce côté-là, développement durable et, et ces sujets que par le simple truchement des travaux. C'est pour ça que c'est Jérémy qui s'y colle. Christian le faisait très bien avec la tronçonneuse pour couper le bois, mais là, on est dans une démarche un peu différente. Il n'en prend, prend pas en ombrage, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions C'est un vrai sujet, ça n'a pas l'air, mais... C'est un Vrai sujet parce qu'on a un marché du bois aussi en parallèle qui est, qui est exsangue. Le bois d'œuvre est très, est très recherché, et valorisé, mais nous on a beaucoup de bois de palette et des bois de mauvaise qualité à recycler. C'est vrai que c'est pas toujours très facile. Pas de questions On peut passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre Est-ce qu'il y a des abstentions Merci Jérémy. Ensuite, le point 5, donc c'est le temps de travail. Vous le savez, hein, il y a un débat depuis des années sur le respect des 1607 heures qui est lié au RTT, aux 35 heures hein, de, de l'époque de, de 2002, je crois. Euh, oui, 2002, je ne sais pas si ça rappelait. mais enfin, peu importe. Et il y avait un sujet dans beaucoup de collectivités, puisque euh, on a beaucoup de collectivités qui aujourd'hui encore sont très en deçà de ce que la loi impose sur ces 1607 heures. Bon, ce n'était pas notre cas euh, de façon générale, mais en tout cas, euh, il fallait qu'on revoie l'organisation du temps de travail. Pour qu'au 1er janvier 2022, on ait un nouveau protocole euh, qui lie donc les agents communaux et la ville afin d'assurer le respect de ces 1 607 heures de travail annuel pour un agent à temps complet. Donc, vous avez la délibération qui reprend les différentes règles euh, qui s'imposent dans, dans ce cadre-là. Au-delà de ça, donc, il y a un travail, et je voudrais saluer le travail qui est fait à la fois par les délégués du personnel, mais aussi par nos, notre encadrement, hein, que ce soit RH ou le directeur général des services et tous ceux qui travaillent sur ce sujet pour justement remettre à plein un certain nombre de, de choses. Le protocole du temps de travail, mais aussi le règlement intérieur des services municipaux, puisqu'il y a des choses qui y sont liées. Les objectifs de cette mise à jour vous sont rappelés, donc la conformité bien sûr à la réglementation, mais aussi l'adaptation au service et pour favoriser la qualité du service rendu à la population. Donc ça, ça dépasse le cadre strictement réglementaire. Le but, ça a été... De rendre vivant, il y a eu des groupes de travail hein, qui, euh, qui se sont penchés euh, dessus avec en direct les agents municipaux concernés, puisque d'un service à l'autre, il n'y a pas les mêmes règles. Hein. Vous avez par exemple euh, le cinéma où c'est annualisé parce que c'est des décalages euh, de, de, dans le week-end, le soir, etc. Donc ils n'ont pas euh, le même régime que par exemple les agents administratifs qui eux sont plus sur euh, des heures de bureau. Euh, voilà, donc on a plusieurs régimes et puis on a aussi euh, nos services techniques avec. Euh, les permanences déneigement, les permanences tout court, etc. Enfin, il y a tout un tas de, de métiers différents à la ville et du coup, avec des adaptations qui sont nécessaires et qui, qui rendent le cadre, de toute façon, sur un cadre qui est différent d'un cadre d'emploi à l'autre. Voilà, donc il faut prendre en compte aussi les besoins des services et réfléchir à l'adaptation des horaires des services et des agents. Cette démarche a permis donc le, le maintien des cycles de travail principaux actuellement en vigueur. On n'était pas éloigné de ce qui est posé, hein, bien sûr. Euh, la conservation du système de temps de travail pour les agents de catégorie A sur 5 journées et 39 heures hebdomadaires avec 23 jours de RTT, donc pour les cadres, hein, euh, en fait l'encadrement supérieur, on va dire, euh, ils ont un système de 39. Ils ne sont pas aux 35 heures. Euh, voilà. Donc ça, ça explique pourquoi c'est présenté de cette manière. C'est un régime particulier. Et puis, donc, proposer la mise en place d'un temps de travail de 4 jours et demi à 5 journées, 36 heures hebdomadaires avec une moyenne de 6 jours de RTT pour les agents qui sont, eux, non annualisés et qui sont de catégorie B et C, c'est-à-dire l'essentiel en nombre, l'essentiel de nos agents. Réétudier les plannings de travail avec l'ensemble des services pour caler tout ça et puis revoir certains horaires en lien avec, les services, euh, avec certains services, comme par exemple le CCAS ou la police municipale, puisque les choses évoluent. Et les permanences aussi n'ont pas les mêmes formats qu'elles pouvaient avoir il y a quelques années pour différentes raisons. Donc, il vous est proposé d'approuver cette mise en place au 1er janvier 2022, euh, qui, qui acte donc cette durée annuelle du travail pour un agent euh, travaillant à temps complet à 1607 heures effectives d'approuver ce nouveau protocole de temps de travail et de préciser que ces délibérations et documents annulent et remplacent toutes celles qui ont été prises précédemment sur le sujet. Mais aussi, je crois que ce n'est pas marqué là. Euh, dire qu'on a un avis favorable, si c'est marqué dans les considérants ou dans les vues, on a un avis favorable du comité technique hein, sur le, le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Pas de questions Des votes contre Des abstentions Ensuite, donc, on a le, en point 6 l'adoption du règlement intérieur des services municipaux. Ça comprend l'organisation du travail avec les règles applicables pour les temps de travail et absence dans la collectivité, les différentes règles, euh, les règles d'hygiène et de sécurité, les règles de vie dans la collectivité et la discipline. Hein, c'est obligatoire d'avoir ce cadre, vous le savez. Et donc, euh, voilà, on a revu aussi ce. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour travailler sur euh, ces différents sujets. Euh, et ça, c'est en lien évidemment avec la délibération précédente. Et donc, il vous est proposé d'approuver ce règlement intérieur qui prendrait effet au 1er janvier 2022 de préciser que cette délibération annule toutes les autres antérieures et de m'autoriser à signer le dit règlement. Par rapport aux documents qui vous ont été fournis, est-ce qu'il y a des questions Non Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre Est-ce qu'il y a des abstentions Merci. En tout cas, je voulais vraiment insister sur le travail qui a été fait au plus près des agents. Euh, ce n'est pas facile, hein, du moment qu'on qu rediscute d'un certain nombre de cadres, il ben, y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais je crois qu'il y, eu, euh, y a eu un effort euh, vraiment important, et c'est bien normal, mais il a été fait, malgré tout, euh, de discussions et d'explications auprès des agents, ce qui a permis, je crois, une certaine, euh, pas facilité, mais en tout cas une certaine unanimité euh, dans euh, les textes proposés, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces sujets qui sont toujours un peu sensibles. Donc voilà, je voulais encore souligner le travail qui est fait en interne, et on a de la chance d'avoir... Euh, une qualité d'approche sur ce sujet. Euh, Malek aussi, euh, je ne l'ai pas cité, mais je, je le fais quand même maintenant, euh, qui a aussi euh, beaucoup assisté euh, Jean-Christophe et puis euh, l'ARH sur euh, ces différents sujets. Sur le point 7, donc modification du tableau des emplois bénéficiant d'un logement de fonction. Donc là aussi, c'est euh, la remise à plat pour euh, le cadrage de l'ensemble de ces logements. Donc il y a des concessions de logements par nécessité absolue de service ça dépend du cadre d'emploi. Des conventions d'occupation précaire avec astreinte pour certains agents, et euh, donc a été ajouté euh, l'ajout d'un logement de fonction par convention d'occupation précaire avec astreinte au Vert Campagne, hein, qui est en fait lié à un nouvel agent de la police municipale qui est arrivé lundi passé. Euh, ce lundi. Non, lundi passé. La semaine dernière. dernière. C'est déjà un ancien. Il a 10 jours de présence. Voilà. Et donc, il vous est proposé d'approuver la modification telle que c'est repris dans le tableau qui est, joint, qui est dans la délibération et de m'autoriser, ou un adjoint délégué, à signer tous les documents se référant à cet objet. Est-ce qu'il y a des questions Pas de questions Des votes contre Des abstentions Le point 8, c'est la convention de partenariat entre la ville de Gex et la société Passe Culture pour la mise en œuvre du dispositif, Madame Cour. Alors, le Pass Culture est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Culture et porté par la SAS Passe Culture, créée à cet effet. Il s'adresse aux jeunes afin de leur offrir l'année de leurs 18 ans et pendant 24 mois l'accès à des offres culturelles en ouvrant à chacun d'entre eux un crédit. Ils pourront ainsi découvrir et réserver diverses propositions culturelles et offres numériques situées autour de chez eux, comme les livres, les concerts, les théâtres, les musées, etc. Le Pass Culture se présente sous la forme d'une application dédiée, gratuite et géolo euh, pardon, géolocalisée pour smartphone, tablette ou ordinateur. Et à travers ce dispositif, la ville de Gex pourra proposer à ses jeunes d'accéder au cinéma, à la bibliothèque et à certains spectacles du service culturel. Les jeunes effectueront donc des réservations, dont le montant se déduira automatiquement de leur crédit sur leur compte activé depuis l'application. La commune, de son côté, devra créer un compte sur la plateforme dédiée et référencer les trois équipements concernés donc le cinéma, la bibliothèque et le service culturel. Chaque lieu générera sa proposition d'offre et le suivi des réservations et remboursements. Les offres culturelles de la commune réservées à travers le PASS Culture feront l'objet d'un remboursement par la SAS PASS Culture selon les modalités prévues et le barème de remboursement figurant dans les conditions générales d'utilisation. Ce service est entièrement gratuit pour la collectivité. Il convient de définir les modalités de ce partenariat par la signature d'une convention entre la ville de Gex et la société PASS Culture. On vous propose donc de signer la convention avec la SAS Passe Culture, définissant les modalités de partenariat pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, et d'inscrire la commune et de référencer la bibliothèque, le cinéma et le service culturel au dispositif Passe Culture sur la plateforme dédiée. Des questions, madame Cour Devant que c'est gratuit, il y a moins de questions de toute façon, mais oui, Sandrine Juste pour savoir si euh, le Pays Jexaglo aussi faisait pas enfin, rentrer dans le processus parce qu'on a aussi euh, le Château de Fermé, Fort-Lécluse... Alors là, je ne crois pas. En principe, c'est que Jex. Enfin, chaque, chaque ville. C'est que les communes. Chaque, voilà, chaque ville aura oui, sa, bien, ses, bien, ses propositions d'activité. On n'a pas euh, voté. Alors, euh, en tout cas, autant que je me souviens, il n'y a pas de vote direct de passe culture, mais d'un côté, il pourrait y en avoir parce que par exemple à y a Fort ou. Oui, mais je pense euh, que c'est chaque. Mais je crois que c'est. Je pense que chaque commune. Chaque commune fera ses propositions. Oui, oui. Par non, exemple, Ferney, bon, bah, ils ont la. C'est ça, a, ils ont ça un... que chaque commune, d'accord, mais je pense, pour payer Jack Saglo, okay, euh, on on, je ne me rappelle pas qu'on ait adhéré à ce dispositif, mais peut-être j'ai oublié, hein, parce que des fois c'est ancien, puis je ne me rappelle pas. Mais je crois pas. Je crois je que c'est les communes. Hein, c'est que les communes, il me semble. Je n'ai pas entendu ouais. parler. Bah, la question pourrait se poser, au moins pour faire lécluse okay. mmh. On posera la question à qui de droit, quelqu'un de mieux placé que moi. <laughs> Pas de questions Si Madame Da Silva Diamantino. Wow. Cécilia. Euh, et ils pourront utiliser le passe culture dans toutes les communes ou euh, Non, c'est que Gex. Cinéma, cinéma euh, association. C'est pour ça que nous n'avons que trois propositions sur uh -huh. Gex. Ah, non, parce que c'est lié, à, comme le disait Madame Cour, c'est lié à, en fait à un contrat euh, communal, ouais. ville par ville, quoi mais ça, ça peut peut-être évoluer dans le temps. Ce sera peut-être au niveau de la un jour ou l'autre pour justement que ça couvre l'ensemble des... Mais euh, comme l'adhésion des communes est de toute façon nécessaire, c'est un peu compliqué parce que euh, tout le monde n'a pas une offre culturelle en plus qui nécessite... Il euh, y a beaucoup de villages qu'on qu peut, en fait, d'offres culturelles euh, qui puissent être financées par ce pass. Ils ont des, des activités, hein, des, des fêtes, des choses, mais pas forcément des services aussi étoffés que les communes plus importantes. Enfin voilà, il y a des disparités. Donc tout le monde n'a pas le même intérêt, j'imagine Oui, bien sûr. Pas d'autres questions Des votes contre Des abstentions Merci, madame Cour. Ensuite, donc le point 9, c'est convention de partenariat entre la ville de Gex et la ville de Fernet-Voltaire dans le cadre de la saison Voltaire. Alors, dédiée à l'héritage et à l'actualité des combats du siècle des Lumières, la saison Voltaire, organisée par la ville de Fernet-Voltaire, propose chaque année une programmation riche et variée présentant de nouveaux spectacles. Les représentations ont lieu principalement à Ferney-Voltaire, mais également dans plusieurs communes du pays de Gex. La communauté d'agglomération du pays de Gex soutient la Saison Voltaire en versant une subvention à la ville de Ferney-Voltaire. Pour la première fois cette année, une représentation labellisée Saison Voltaire et s'inscrivant dans la Saison culturelle de Gex aura lieu à la salle des fêtes le 27 novembre. Dans le cadre de ce partenariat, la ville de Fernet-Voltaire prend à sa charge toutes les dépenses afférentes à la représentation et la ville de Gex met à disposition la salle des fêtes ainsi que ses équipements. La billetterie est gérée par la ville de Gex et les recettes sont ensuite reversées à la ville de Fernet-Voltaire sur présentation d'une facture après soustraction des éventuels frais engagés par la ville de Gex. Dans l'hypothèse où les recettes de billetterie ne couvriraient pas L'intégralité des frais engagés par la ville de Gex pour l'accueil du spectacle, la ville de Fernet-Voltaire s'engage à verser à la ville de Gex la différence sur présentation d'une facture détaillée. Donc il convient ainsi de définir les modalités de ce partenariat par la signature d'une convention entre la ville de Gex et la ville de Fernet-Voltaire. Donc cette convention de partenariat serait sur une, à la durée de une année renouvelable par sa tacite reconduction. C'est intéressant comme partenariat parce que là, non, ça s'enclenche, hein, c'est une première, mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment se développer, surtout autour de, de, de choses typiques du pays de GES, comme Voltaire qui, est quand même, euh, qui a passé beaucoup de temps à GES, d'ailleurs, hein, puisque comme il était procédurier et qu'on avait le tribunal, <laughs> c'est pour de mauvaises raisons, mais enfin bon, en tout cas, il déambule sur Pertan pendant très longtemps et c'est vrai qu'on n'a pas euh, la culture, de, en tout cas, on n'a jamais exploité. Euh, cette présence de Voltaire à Gex de façon très satisfaisante. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse travailler avec Ferney Voltaire, qui, est évidemment, euh, qui a une expertise sur le sujet, euh, pour élargir ce champ. Je trouve que c'est intéressant. Et je pense que c'est ce genre de partenariat qui devrait se développer, en sachant que je rappelle que l'aglo euh, verse 75 000 euros pour la saison Voltaire. Donc euh, il y a une grosse participation déjà intercommunale à cette fête qui est importante pour le pays de Gex. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Mme Cour non, pas de questions Sur les écrits de Voltaire, par exemple. <laughs> Mais j'espère que tu les as lus. Oh, bien sûr. Parce que moi, je n'ai jamais, jamais pu. Le livre de chevet ben, S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre Des abstentions Bien, merci. Le point 10, c'est l'avenant au protocole d'accord des centres musicaux ruraux, M. Ivanez, pour les écoles. Alors, les centres musicaux ruraux interviennent dans les écoles de Gex dans le cadre de projets pédagogiques axés sur l'enseignement et l'éveil musical. Afin d'offrir le même temps d'intervention dans toutes les écoles bénéficiant du dispositif, il convient de l'augmenter à 24 heures hebdomadaires au lieu de 23 heures 45. Le coût annuel sera de 46 904,40 euros au lieu de 45 956,25 euros, soit une augmentation de 948,15 euros. Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le, le dit avenant. Des questions hein, M. Ivanès en musique. Non. Pas de questions. Alors est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions Merci M. Ivanès. Le point 11, c'est la convention de mise à disposition à titre gratuit conclue avec l'association le réseau Mnemosys au centre Marius Cadoz, madame Virginie Zeller planté. Alors, il est rappelé il est rappelé la délibération du 1er mars 2021 relative à la mise à disposition des locaux à titre gratuit pour l'association du réseau Memosis, dans une partie du centre Marius Cados. Cette association bénéficie depuis le 15 mars 2021, au centre Marius Cados, des locaux suivants. Donc au rez-de-chaussée, ils ont deux bureaux, d'une superficie de 9 mètres carrés environ. Ils bénéficient aussi des parties communes qui sont mutualisées avec les autres utilisateurs des lieux, et concernant la salle de, ré de réunion, il faut, il faut la réserver euh, auprès de l'accueil de la, de la mairie. L'association a fait part d'un besoin ad euh, additionnel des locaux compte tenu de, de, du développement de ses activités. La commune pourra lui mettre à disposition un troisième bureau, actuellement inoccupé dans le, dans le centre, d'une superficie d'environ 9 mètres carrés. La convention sera con conclue à titre gratuit pour une durée de 4 ans, renouvelable, re, pardon, renouvelable par tacite, reconduction par période de 1 an. La ville prendra à sa charge les dépenses de chauffage, d'électricité et l'entretien des parties communes. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de convention de mise à disposition des locaux à titre gratuit qui lui sera soumis et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à le signer. Question, Mme zara Planté Non Ils sont ravis de cette installation, hein, parce oui. qu'on les a beaucoup aidés, mais ils n'avaient pas de locaux vraiment adaptés compte tenu de l'importance maintenant de leur réseau. Et euh, c'est vrai que c'est un effort qui est fait aussi par la ville de Gênes. Je rappelle que le réseau Ménosis, c'est l'ensemble du pays de Gèche, plus Bellegarde, hein, Et que donc, euh, entre ça et les restos du cœur et tout ça, je crois qu'on a eu une action euh, importante avec l'opportunité de recyclage de cette caserne. Mais en tout cas, on a orienté ça vers. Euh, L'action sociale, très largement, au bénéfice de l'ensemble du pays de Jacques. C'est une, une action dont on est particulièrement fier. Et malheureusement, on voit d'ailleurs que, que euh, ça marche plein pot. Hein, parce que euh, quand vous regardez euh, les collectes du Resto du Cœur et soutenues par les, la protection civile, je le souligne, hein, puisqu'il est, est toujours très présente aussi. Euh, mais euh, quand on voit la masse maintenant de ce qui gère en denrées euh, diverses pour pouvoir alimenter les différents points du pays de Jacques, je pense que vraiment, entre ça, l'accueil de jour, et puis le réseau Mnénosis dans un autre secteur, mais qui, qui correspond aussi à une aide importante pour les familles et, et au niveau social, je pense qu'on on peut être content en tout cas d'avoir apporté ces, ces surfaces parce que dans le pays de c'est très très compliqué de trouver des, maintenant, même au niveau communal, des surfaces adaptées. Voilà. Et de temps en temps, il faut aussi le dire, c'est un effort qu'on fait pour l'ensemble de la collectivité Gécienne avec une participation de l'AGLO sur les restos du cœur. Euh, et Mnenosis, qui est soutenu beaucoup par le, le département avec 75 000 euros, je crois, de mémoire de compensation financière genevoise. Euh, voilà, mais en tout cas, nous, on, on contribue et je trouve que c'est une belle action. Pas de questions Un vote contre Des votes contre Des abstentions Merci, Virginie. Le point 12, c'est la convention de partenariat de mise à disposition de locaux au centre sportif de... Chauvilly, entre la ville de Gex et le football club, et vous avez la même délibération après pour le rugby club, hein, la 13, donc je laisse M. Georges Dezay enchaîner, mais on passera au vote quand même séparé, bien sûr. Merci, Monsieur le maire. Donc, euh, dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et sportives, il est rappelé que la ville possède un ensemble immobilier destiné à la pratique du football et du rugby situé chemin de Chauvilly, 0170 GEX, sur les parcelles cadastrées BC32 et BC82, représentant une surface totale d'environ 66 000 m2. Afin de promouvoir et de développer la pratique du football, la ville met diverses installations à la disposition du club de, de foot, qui s'appelle désormais Pays de GEX Football Club, pour lui permettre de répondre à ses objectifs de développement et de la pratique sportive et de la vie associative. Il est rappelé que les investissements réalisés par la ville de GEX sur le site depuis 2019 représentent à peu près un investissement de 2 millions, euh, entre autres euh, la rénovation des terrains pour un montant de 282 715 euros. Euh, la rénovation et l'extension du centre sportif de Chauvilly pour un montant de 586 500 euros et euh, la réfection de, des toitures des vestiaires pour un montant de 107 euros 265 euros. Un projet de convention a été mis en place ayant pour objet de définir les modalités de partenariat et de mise à disposition des locaux et installations sportives entre la ville et le club. Elle définit aussi les activités d'intérêt général que le club s'engage à mettre en œuvre conformément à son objet statutaire pour bénéficier du soutien logistique et financier de la ville. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le maire ou un adjoint délégué à le signer. Des questions, M. Dez pas de question. Bien. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote pour cette première délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions Merci. Je vous laisse enchaîner. Alors à l'identique de la convention précédente, euh, donc cette fois-ci, c'est pour le, le rugby club, donc l'Union sportive du pays de GEX, USPG Rugby. Euh, donc, pour euh, exactement dans le même cadre, je ne vais pas refaire exactement l'inventaire. Donc, euh, il vous est proposé d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le maire ou un adjoint délégué à le signer. Des questions Des votes contre Des abstentions Très bien. Vous avez eu raison de. de excusez deux secondes. Hop. Vous avez eu raison de souligner les efforts qui ont été faits hein, sur euh, ce secteur du chauvier, mais euh, franchement, ça fait plaisir. Enfin, euh, Daniel Robet euh, qui avait suivi ça au départ et puis euh, Georges qui a, qui a pris la suite euh, au niveau de, de, de l'adjoint aux associations et au sport. C'est vrai que c'est des projets de longue haleine, mais que là, vraiment, sur les trois dernières années, ça a changé le, la perception et puis l'utilisation de, de ces installations qui sont quand même particulièrement intéressantes à tout point de vue. Et je pense que c'était nécessaire. On, on arrivait quand même avec un centre sportif qui a été vieillissant et on avait fait une extension, mais ça fait plus de 20 ans maintenant, au premier mandat de Gérard Paoli il euh, euh, y avait quand même ces difficultés aussi de gestion du bâtiment avec beaucoup de problèmes de réseau euh, par rapport au fluide et tout ça parce qu'en en fait il y avait eu des greffes, euh, des extensions mais il n'y avait pas eu de refonte globale et en plus on est passé sur des énergies euh, vertueuses donc euh, je pense que c'est quand même une très très belle opération pour les plus de 500 euh, licenciés qui euh, régulièrement utilisent ces terrains. Euh, et je crois qu'on a la chance, malgré tout, d'avoir cet espace. Hein, que, que ça devient aussi compliqué dans les grosses communes, comme dans les petites d'ailleurs, de trouver des espaces de cette nature, parce que les surfaces sont évidemment immenses et qu'on sait qu'en foncier, ça devient aussi compliqué de caler ces équipements. En tout cas, on est vraiment content du résultat. Euh, C'est de belles factures. Et puis, euh, dans l'utilisation, d'après les différents retours qu'on peut avoir quand on participe au match, et surtout à la troisième mi-temps, euh, les échos sont plutôt bons, en tout cas sur, euh, pour les utilisateurs. Voilà, donc ça, je crois que c'est un point aussi important, puisque c'est quand même aussi beaucoup d'argent investi pour les jeunes, pour le sport. Et Dieu sait si dans cette période, il y a beaucoup de projets qui tombent un peu partout, hein, parce que les priorités en période de crise sont pas toujours là. Mais en tout cas, c'est bien qu'on ait pu mener euh, tout ça jusqu'au bout. Merci, M. Dezet. Donc après, on a en point 14 la convention de coordination avec le SIEA pour le dévoiement des fourreaux de fibre optique sur la RD 1005. C'est Monsieur Pelet, obligatoirement. Donc, il est rappelé que dans le cadre des travaux d'aménagement du bus à haut niveau de service et du dévoiement de la RD 1005, la commune de Gex a réalisé sur son territoire des travaux de déplacement des réseaux enterrés appartenant au SIEA. Dans le cadre du programme de réalisation de ces travaux, le SIEA a chargé la ville de Gex d'agir en son nom et pour son compte. La commune a mis à disposition un fourreau pour le syndicat. Ce dévoiement des fourreaux de fibre optique sur la RD 1005, réalisé par le groupement d'entreprises FH Route Siora Gentoli pour un montant relatif aux travaux fibre optique de 52 415 euros hors taxe, soit 62 898 euros TTC, s'est achevé en 2020. À l'issue de la réception définitive des travaux et de la validation des plans de recollement, et du décompte final, le syndicat s'est engagé à rembourser à la commune le montant des travaux avancés. Donc il est une convention de coordination entre le syndicat et la ville de Gex doit être signée pour acter le remboursement du montant des travaux réalisés. Des questions M. Pellet sur cette délibération Pas de questions. Des votes contre Des abstentions Merci M. Pellet. En point 15, dernier point de l'ordre du jour avant les commissions, donc il y a le rapport d'activité de, de pays Jacques aglo pour l'année 2020. Je vais pas vous... Enfin, c'est un document qui est assez dense, hein, donc on ne va pas le reprendre évidemment en détail, mais je voulais quand même revenir dessus quelques instants, même si c'est un prendre acte. Donc c'est un vote uniquement comme quoi vous l'avez eu. Euh, je rappelle simplement qu'on a, depuis 2017, l'Aglo n'avait pas produit ce document obligatoire qui normalement doit chaque année, avant le 31 décembre, doit être présenté donc au Conseil communautaire et aux différentes communes. Donc euh, là, j'avais souhaité non, plus que souhaité. D'ailleurs, je vais exiger euh, qu'on puisse euh, avoir ce document, même s'il a été fait dans des conditions qui ne sont pas optimum par rapport à ce qu'on souhaite. Donc l'année prochaine, il, se, il sera mieux travaillé. Euh, même, euh, voilà. Là, on, chaque service, dans l'urgence, euh, a fait un, un topo sur. Euh, le bilan, donc, c'est complet, mais dans la présentation, on pourra trouver quelque chose de plus dynamique dans les années qui viennent, puisqu'on y travaille d'ores et déjà. Euh, je voulais simplement rappeler donc, que ce document de synthèse sur l'activité, il est obligatoire, euh, que ça remet déjà dans le cadre légal euh, la production d'un document important, puisque la l'agglo, c'est aussi beaucoup de compétences qui sont exercées. Et en dehors des gens qui sont impliqués dans les différentes commissions ou qui sont conseillers communautaires, c'est très difficile d'avoir une vue. En tout cas synthétique de l'ensemble des actions menées, alors que ça concerne évidemment notre quotidien à tous. Hein. Je, quand vous listez les, les différents sujets qui sont présents dans ces dossiers, c'est évidemment le quotidien des Géciens. Donc ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et donc ça, nous, ça permet malgré tout, pour ceux qui s'y intéressent, d'avoir quelque chose d'assez exhaustif sur ce qui s'est passé sur l'année 2020. Vous avez dans, dans le document l'ensemble des compétences qui sont gérées avec, euh, je trouve, quelque chose d'intéressant, puisque vous avez ce qui est en cours, mais aussi euh, ce qui est prévu et comment les choses euh, s'articulent. Moi, je voulais simplement revenir sur ce bilan pour l'année 2020, je dis bien, hein, puisque pour l'année 2021, ce sera l'année prochaine, euh, pour dire que ça a été une année euh, importante pour l'agglo sur quelques points. Euh, ça l'a été, évidemment, sur toutes les compétences exercées, mais quand même sur quelques points euh, fondamentaux. D'abord, euh, au mois de février, le vote du plan local d'urbanisme intercommunal, qui a été quand même un sujet qui a mobilisé beaucoup l'Aglo, mais aussi toutes les communes, hein, puisqu'on y a participé aussi, évidemment, sur le mandat précédent. Et donc, ça a été validé d'extrême justesse au niveau du temps, avant les élections municipales de mars, donc en février 2020, sous l'autorité de mon prédécesseur. Ce document, évidemment, il conditionne l'aménagement du PageX dans les, dans les prochaines années, dans les 5 à 10 ans qui viennent, avec aussi des orientations qui s'inscrivent sur, sur une durée plus longue. Euh, ce document, il va vivre aussi, il y aura des modifications, mais en tout cas, il pose euh, certaines bases importantes, même s'il y a aussi au quotidien beaucoup de difficultés pour le mettre en œuvre. Parce que les choses sont théoriques, elles sont euh, comme toutes les choses qui touchent au droit, hein. elles fixent des règles. Et puis, euh, projet par projet, ben, on peut avoir euh, des casse-têtes. Mais en tout cas, sur le principe, je rappelle euh, en gros hein, que, que ce plan local d'urbanisme, il a d'abord intégré ce que l'État nous a demandé sur la densification autour des actes de transport sur le fait que vous aviez des, des communes dans le pays de Gex, donc les, les petites villes, on va dire, hein, qui sont les communes les plus grosses en, en nombre d'habitants, euh, qui étaient, euh, comment dire, avec une, un développement qui est un développement urbain. Ce qui explique aussi des fois les tensions sur les choses. Pourquoi Parce qu'il y a eu aussi cette volonté de retirer 400 hectares sur l'ensemble du pays de Jex à l'urbanisation et que forcément vous avez un traitement des dents creuses, hein, ce qu'on appelle des dents creuses, dans le maillage urbain un peu partout qui, qui se fait et qui crée une densification qui est parfois mal perçue, mais en tout cas qui, qui évite de consommer, comme ça a été le cas pendant 30 ou 40 ans, de façon excessive, notre foncier naturel et agricole. Voilà, donc il y a toujours cette, cet équilibre qui est difficile, c'était l'essence même de ce PLUiH, mais en tout cas il y a des bases. Alors ça, c'est pas simplement ça, évidemment, hein, il y a toutes les règles induites. Mais avec une logique malgré tout d'aménagement qui a inversé les choses et qui a euh, euh, normalement qui est revenu sur cette philosophie du mitage qu'on a eu avec des extensions de villages et de villes à perte de vue sur les coteaux et dans les plaines, euh, ce qui évidemment avait des limites, hein, aurait trouvé très rapidement des limites. On les voit bien. Et hein, juste à descendre aussi, puis vous voyez tout de suite euh, les tâches urbaines comme elles se sont développées sur les, on va dire, sur les 50 ans qui viennent de se passer. Donc ça, c'était quand même un événement de, euh, important de 2020 début. Il y a eu ensuite euh, donc la remise en cause, euh, la remise à plat du fonctionnement des communes et de l'aglo, puisque on a été en élection municipale, impacté par le Covid hein, aussi, il faut le dire, donc avec une, une année qui a été quand même très particulière. Euh, où il y a beaucoup de choses qu'on continue à avancer, mais avec une visibilité difficile pour les élus de base, entre guillemets, hein, puisqu'on avait ces contraintes liées à la crise sanitaire. Et puis il y a eu les, les, le changement de bureau hein, en juillet, les changements de présidence, qui a impacté aussi un changement profond euh, des personnes de la direction générale de l'Aglo. La, euh, avec des orientations qui avaient été exprimées pendant ces élections-là, qu'on retrouve d'ailleurs en, en partie. Alors il y avait les gros sujets qui étaient lancés euh, pour certains, comme par exemple le plan de développement des crèches, des déchetteries, enfin etc. Donc il y a une continuité évidemment hein, de, de toutes ces opérations puisque c'est pluriannuel, euh, mais aussi une volonté de revenir sur des réflexions plus analytiques, on va dire, sur la gestion des ordures ménagères, sur un tas de, de, de sujets de fond et aussi une, re, une redéfinition. De l'image du Gex dans les négociations qu'on peut avoir avec nos partenaires extérieurs, que ce soit le département, surtout le département, puisqu'on a la discussion annuelle sur la compensation financière Genevois, ce qui nous a permis, en unifiant les demandes entre les conseillers, les six conseillers départementaux et le bureau à l'unanimité de l'aglo pour la première fois, depuis la création de, de la communauté de communes, d'avoir en 1996, d'avoir une seule voix portée auprès du département, ce qui nous a permis de pérenniser quand même 2,5 millions par an de plus. Euh, sur notre plan euh, d'investissement, euh, enfin sur notre plan qui nous lie euh, au département, le PPI, euh, par rapport à l'attribution de cette compensation financière vois, c'est quand même plus de 7 millions euh, qui sont en plus dans le, la balance pour le financement de nos transports en particulier. Donc ça, c'est un exemple, mais en tout cas, la volonté, ça a été euh, qu'au niveau de l'agglo, qu'on puisse euh, s'appuyer aussi sur nos conseils départementaux pour avoir euh, des demandes qui soient euh, efficientes et qui soient surtout unanimes, ce qui est quand même plus important. Euh, de, quand on négocie et qui est plus sûr au niveau du résultat, même si tout ça évidemment est toujours à remettre sur le métier. Il y a eu un événement que vous ne retrouvez pas forcément stricto sensu dans le dans le document, mais en réalité qui est majeur, euh, qui a été aussi de remettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, en particulier de mettre enfin d'enclencher une reprise de contact entre le, le, la Zac euh, Fernet Innovation, la SPL Terinov et la ville de Fernet Voltaire. Puisque depuis le mois d'août, dès mon élection, j'ai souhaité lancer des opérations de concertation entre ces deux parties pour qu'on puisse avancer, puisqu'on était en blocage depuis un certain nombre d'années. Euh, on a fait depuis, on a évolué jusqu'à ce bureau de la semaine dernière qui a, bloqué, qui a levé le dernier blocage qu'il y avait entre les deux entités pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Mais en parallèle, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on est arrivé à un moment où était programmée une concertation importante sur les demandes qu'on doit faire sur le plan d'agglomération numéro 4 par rapport aux Suisses, hein, qui, qui cofinancent un certain nombre d'infrastructures, en particulier donc, euh, les infrastructures transfrontalières de transport. Et on est arrivé là encore avec une méthode essayant d'allier euh, l'ensemble des points de vue à une présentation et à une concertation publique qui a arrêté le projet du tram de Fernet-Voltaire en le, le rallongeant, si j'ose dire, euh, puisqu'il devait arriver d'habitude euh, à la place du Jura au départ et que là on est arrivé au carrefour du Bisou, ça veut dire qu'il dessert euh, ce nouveau tracé qui a été aussi là voté euh, à l'unanimité de, de Paige à Glo donc euh, qui va jusqu'au bout, on va dire, de l'aménagement de la ZAC une fois qu'elle sera terminée, pour évidemment que ce quartier soit exemplaire au niveau transport public, puisque la densité est importante, vous le savez, il y a 2500 logements, il y a 200 000 m2 de d'habitation et, et 2000 carrés aussi d'activités tertiaires et économiques, euh, le vote du Conseil communautaire qui était clivant sur le sujet, puisqu'on a passé le mandat d'avant euh, avec un duel entre Saint-Genis et Ferné-Voltaire, faut quand même le dire, hein, sur euh, qui aurait le, tra le tram le premier, etc., euh, cette, euh, cette méthode a malgré tout permis, et je, je le dis parce que franchement ce n'était pas gagné, et je, je suis très heureux d'avoir pu y participer, euh, euh, cette méthode a permis de présenter au pôle métropolitain et donc aux Suisses un dossier qui est porté unanimement par l'ensemble des élus du pays de gex puisque ça a été à l'unanimité du conseil communautaire y compris la commune de saint-genis euh, auquel il faut aussi dire euh, qu'on est toujours axé sur euh, le fait de pousser à la fois le BHNS qui va donc s'enclencher en, en parallèle hein, et sur lequel on travaille avec le département, puisqu'on a l'aménagement de la Porte de France qui combine à la fois l'investissement de glo sur euh, le carrefour de la douane jusqu'à Aux brasseur Je dis au brasseur parce que les gens savent plus que, où c'est que d'autres commerces <laughs> et qui là est lié à l'agglo, puisque ça va être l'aménagement du tram, hein, enfin du pardon, du BHNS, mais dans une prévision future. Euh, d'arriver du tram dans son aménagement, c'est porté euh, là, par euh, PageX Aglo avec des partenaires bien sûr qui sont très forts, qui sont l'État, qui sont la région et qui sont euh, le département qui par ailleurs porte l'aménagement transversal, enfin, euh, c'est-à-dire le, les, les trams euh, semi-couvertes maintenant, nous dit-on. Euh, sur euh, justement le, le verrou de la porte de France qui doit sauter pour éviter justement que ce, cette remontée de transport public croise le flux de véhicules qui crée euh, aujourd'hui sur le rond-point de France ces difficultés de fonctionnement avec aussi du, comment, du, de la circulation cycliste et de mode doux qui est particulièrement dangereuse aujourd'hui et qui doit absolument être sécurisée dans ce cadre-là. Voilà, donc euh, de ce point de vue-là, il, il y a malgré tout euh, un terme sur des guéguerres euh, qui ont été à mon avis très préjudiciables au budget. je le dis très clairement. Il faut aussi savoir dire les choses quand c'est le cas. Je pense que depuis des années, on aurait pu en tout cas avancer avec une autre méthode et ça aurait permis certainement peut-être d'avancer en tout cas ces projets de quelques années, parce que là, on est quand même parti sur des aménagements qui vont s'étaler en tout cas sur un certain nombre d'années, hein, 4, 5, 6 ans pour l'ensemble. C'est des projets très lourds et c'est trois ans au moins de travaux sur la porte de France, en tout cas pour la partie, la partie qui incombe au département sur cette traversée. Euh, et je crois qu on, on, que sur cette année 2020, ce, ce changement a été marqué sur en tout cas ces points qui sont particulièrement importants. Euh, ce n'est pas un manque de modestie parce que je reste malgré tout très modeste sur l'évolution des choses. En politique, comme dans la vie, il peut y avoir des revirements de dernière minute, mais en tout cas sur les, les, les points de blocage, on croit pouvoir dire que tout, les gens ont au moins pu discuter autour de la table et je crois que c'est très important pour le PageX et les, les, les projets qu'on qu porte, euh, très important pour l'image qu'on donne à nos partenaires suisses dont je rappelle l'importance puisque sans financement de leur part, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de BHNS mais il n'y a pas non plus demain de main de P+R, R, hein, de parking relais et ça aussi on, avec le pôle métropolitain on a euh, la volonté de poursuivre ces discussions donc, euh, avec euh, nos, les autorités suisses pour qu'on puisse avoir en tout cas au niveau du canton de Genève des participations, puisque ça avait été annulé par référendum en 2012, hein, euh, des participations sur le, la mise en place de ces plus serres, en tout cas les plus structurants, puisque c'est l'accompagnement normal et naturel euh, de ces équipements très importants sur la ZAC de Fernet-Voltaire et sur saint pouilly mais qui concernent en réalité tout le pays de Jacques, hein, puisque le rabattement après se fait et c'est aussi moins d'obligation de, de prendre sa voiture pour aller en euh, CERN d'un côté ou euh, Place des Nations ou ailleurs euh, de l'autre puisque ça, de toute façon, ça aura des limites très rapides, hein, très rapidement, puisque les Suisses ne souhaitent plus, comme dans toutes les villes et toutes les métropoles, avoir ce flux de voitures continue qui continue d'augmenter, ils veulent même le réduire, puisqu'on a 9500 places, je crois, sur le canton de Genève, qui sont supprimées, des places de stationnement, justement, pour inciter les gens à utiliser le, le transport en commun. Si je m'étale un peu, c'est que le transport, vous l'avez compris, hein, sur ce rapport d'activité, vous pouvez le revoir, c'est le premier poste de déficit de Pays jacques c'est des dépenses très importantes, c'est 13 millions par an, euh, dont 4 700 000 de transports scolaires à peu près, avec des projets de développement importants, et je les ai cités, donc sur Ferney-Voltaire et sur euh, Saint-Genis-Pouilly, qui vont générer eux-mêmes des déficits supplémentaires sans qu'en face on ait forcément des recettes qui augmentent de façon significative. Donc il y a ce travail aussi d'équilibre et de, de, de prévision de gestion. On est dessus puisqu'on est dans la préparation budgétaire pour l'an prochain et on sait d'ores et déjà que de toute manière, il y aura aussi une augmentation exponentielle de ce coût euh, du transport, euh, ne serait-ce qu'avec ces deux structurations. Mais à un moment donné, il faut aussi euh, saisir cette chance puisqu'on aura euh, pour la première fois euh, un branchement direct sur le, Céva, enfin, sur le, le réseau euh, ferré. Euh, ou semi ferré, je ne sais pas comment on dit pour un tram, mais en tout cas sur le réseau suisse de façon directe, ça sera la première fois en dehors des bus. Et je pense que c'est très important puisque, je le répète, la volonté, c'est bien sûr, pas forcément d'ailleurs sur nos mandats à nous, mais en tout cas d'inscrire dans le, le, la durée la volonté d'inscrire le deuxième tram sur saint genipouilly à terme, puisque ça sera avec la logique du développement de ce bassin qui est, qui est aussi très importante, cette logique, ça sera évidemment une, un impératif. En parallèle, vous le voyez, il y a des modes doux, puisqu'on parle souvent des déficits en mode doux dans le Pajex. Mais vous avez des projets très importants qui sont portés par glo. Il y a le, tout ce qui accompagne le BHNS, Jex Fernet Voltaire avec la Véloroute. Maintenant, c'est plus Véloroute, c'est je ne sais plus quoi, puisqu'on change de nom tout le temps. Et on a celle de macon divonne qui est aussi prévue. Euh, et puis on aura d'autres développements sur, sur Prèvesin, Saint-Genis, Saint etc. Mais en tout cas, il y, y a le portage de, de voies douces structurantes, dont une partie sont, est réalisée donc, sur Gex-Fernay, euh, puisqu'on on va de Fernay-Voltaire jusqu'à Ceuny, à peu près. Et puis on aura le développement jusqu'à Gex, jusqu'à Cécile, en réalité, puisque nous, on est branchés. On est branché très bas de la ville, en bas de la ville, sur, sur ce, ce système de, de véloroute. En tout cas, il y, a, il y a ces projets structurants aussi en parallèle qui, qui sont prévus. Après, pour être très, plus rapide, mais ça, c'était un point qui me semblait important de préciser on a évidemment le, les crèches hein, avec ce développement mesuré, malgré tout, qui arrive à son terme, puisque le plan crèche est terminé, mais vous retrouvez un certain nombre d'éléments avec les rames aussi, les relais d'assistante maternelle qui sont mis en place. Donc, il y Divonne qui a été inaugurée on a ça à Collonge aussi qui est en train de, de prendre place dans le presbytère qu'on rénove avec la commune, puisqu'elle a une partie en appartement et nous, donc en relais d'assistante maternelle pour le secteur de Colonge et du Sud du pays de GEX. Et puis, de, quelques opérations d'ajustement qui sont faites sur le secteur nord où il y a le plus de demandes. Avec des, des crèches euh, plus petites, hein, mais en voie future d'achèvement sur ce nid et sur Ornay, avec un développement possible aussi sur Fernay pour une petite entité. Mais le plan crèche en tant que tel, il est à peu près à saturation. Reste le, le, le gros au sujet du recyclage de la crèche de Cessy. Qui a eu des problèmes importants de structure euh, depuis ces années et que j'ai souhaité remettre euh, dans le circuit, puisque actuellement, les berceaux qui étaient avant gérés à Cécy sont euh, depuis trois ans maintenant euh, à la crèche de Gex en surnombre, hein, à la capacité. Mais enfin, on est quand même dans une crèche qui recueille l'ensemble du secteur et Cécy, qui a presque 5000 habitants, et, il est évident qu'il faut absolument remettre cette crèche en fonctionnement puisque le bâtiment nous appartient. Donc, dès euh, l'année passée, j'ai demandé qu'on qu s'attelle à résoudre ces problèmes de. De, de, de bâtiments qui soi-disant étaient insolubles et qu'il fallait raser et qui finalement euh, s'avèrent gérables. Et donc on aura l'objectif, on a l'objectif de rouvrir la crèche de Cécy avec ses 20 berceaux. Donc ça sera un transfert de ceux qui existent et qui sont en sur, en surnombre à euh, Donc euh, qui devraient normalement en septembre 2022 retrouver euh, la place qui, qui est la leur dans la commune de Cécy qui, encore une fois, avec 5000 habitants, euh, mérite évidemment qu'on puisse rouvrir ces mètres carrés pour le, pour le bien-être de cette population. Voilà, donc là le pancrèche, si je m'étale un peu, c'est aussi parce bah, que c'est le deuxième poste de déficit en général, c'est ce qui classe l'intérêt qu'on a pour les choses, parce que c'est là qu'il faut trouver des financements. Donc il y a eu évidemment beaucoup d'efforts de fait, mais il y a des limites aussi au financement de ces, que ces, que ces crèches, puisque en gros, quand on vous a 45 berceaux, c'est à peu près 220 000 euros de déficit, et que donc on est à 1 600 000, je crois, de, de déficit sur, le, sur les crèches, et la petite enfance, ça a forcément un certain nombre de limites. Et puis après, vous avez tous les secteurs que je ne vais pas détailler, mais que je cite quand même, qui sont liés en particulier à l'environnement, puisque vous le verrez, que ce soit les eaux pluviales, mais aussi la protection d'un certain nombre de zones. On a des, des compétences assez importantes sur le, le sujet, qui ne valent parfois quelques polémiques d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un travail de fond qui est fait, et je voulais saluer le, les agents aussi de PageX Aglo, qui travaillent souvent dans l'ombre, hein, parce qu'on ne les a pas en contact en direct dans les communes. Mais en dehors des services qui travaillent avec euh, sur certains sujets. Mais je voulais euh, aussi souligner le travail euh, vraiment important qui est fait pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes et surtout planifier un certain nombre de protections sur, euh, sur des milieux qui peuvent être sensibles. On a eu le, une inauguration intéressante à Divonne dans le, le cadre de la réfection, par exemple, du canal de Greny qui a été entièrement financé par les Suisses, mais euh, dont le, le portage a été fait par PageX Aglo et des techniciens euh, chevronnés pour, euh, pour ce faire. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est lié aux autres activités que je ne détaillerai pas. Je veux simplement, pour terminer, dire que sur cette année, on, a quand même, on est un peu à la croisée des chemins. Pourquoi Parce qu'on n'a pas d'endettement. Enfin, vous le voyez hein, sur l'ensemble, le, il faut aussi le dire, on a une, une aglo euh, qui n'a jamais euh, utilisé l'endettement à l'excès, bien au contraire. Donc on a pratiquement une dette qui est, qui est, qui est presque éteinte, hein, si, on, si on regarde les choses de, de façon très claire ce qui est un atout majeur, mais sur l'investissement, par contre, on a les mêmes difficultés souvent que beaucoup de communes aussi, et que d'autres intercos, c'est-à-dire qu'on a une difficulté de plus en plus grande de bouclage du budget de fonctionnement, parce que les dépenses qui sont dans l'exercice des différentes compétences que la Gloa, les dépenses qui sont en croissance très importante, ne sont pas couvertes par les recettes en face avec la même croissance, donc elles augmentent plus vite que les recettes. Et ça, c'est un secret pour personne, sauf que ça a des limites. Ces limites, elles sont claires. Sur le mandat, c'est 8 millions d'euros à peu près à ce stade, mais il y aura des discussions sur le, la commission finance de l'Aglo, bien sûr. Donc on est en train de travailler dessus pour affiner tout ça. On a un audit qui est en cours avec un un organisme extérieur, parce qu'on souhaitait aussi avoir une vision euh, claire sur, euh, sur ce qui se passait dans les, les budgets de façon détaillée. Et donc on a, euh, on a donc, euh, ben ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faudra trouver les moyens de payer un déficit de fonctionnement sur le tram de Fernès, sur euh, le BHNS de Saint-Genis en particulier, et puis sur les différents éléments que j'ai pu évoquer en sachant qu'on a cette taxe Gemapi malgré tout sur l'aspect gestion des milieux naturels, hein, qui va être de 800 000 euros et qui est la nouvelle taxe qu'on retrouve sur nos rôles d'impôt. Vous avez pu avoir et vous verrez, il y a une petite ligne Gemapi, mais c'est 800 000 euros dans le pays GECS aussi pour prévenir les inondations et gérer donc un certain nombre de secteurs sensibles qui, demain, peuvent être une catastrophe pour les riverains et puis au niveau environnemental qui nécessite évidemment des soins particuliers. On ne pouvait pas le financer durablement sur le budget principal de l'aglo et donc il fallait mettre en place cette taxe, que l'État avait prévue d'ailleurs pour se faire, puisqu'il y a plein de secteurs où c'est des budgets de plus en plus lourds, et qu'il fallait flécher un certain nombre de moyens sur, sur ce sujet pour le faire. Donc on a à on a trouver, en tout cas des, en anticipant quand même sur des, des déficits de transport qui ne sont pas là demain, euh, le tram et puis euh, le BHNS, ce n'est pas demain évidemment que ça va se produire, mais je, on souhaite évidemment anticiper pour que le moment venu, nos successeurs, euh, au moment des mises en route de tous ces sujets, ben, ne soient pas euh, au pied du mur et ne doivent pas augmenter massivement les impôts pour pouvoir euh, payer ces déficits. En plus, on a un certain nombre d'incertitudes malgré tout hein, sur l'activité économique. Sur, euh, je rappelle que sur, par exemple, l'activité économique, c'est l'aglo qui perçoit maintenant la taxe professionnelle unique. Hein, euh, et, et donc, euh, on a, si l'impact économique de cette crise sur la durée euh, se trouve euh, avéré, eh bien, on aura aussi une baisse de recettes. Je, on, on gère quand même 14 zones artisanales, 2 technoparcs en, en lien direct. On a 5 euh, zones artisanales avec des développements euh, qui sont prévus. Et c'est l'aglo qui, qui le porte. Il faudra aussi évidemment qu'en face, il y ait des, euh, des, des recettes. Je crois que tout le monde peut le comprendre. On est encore une fois à la croisée des chemins à ce niveau-là. Il faut évidemment que toutes les options soient sur la table et c'est ce qu'on est en train de faire et vous le verrez dans ces développements-là. Voilà pour 2020, je ne vais pas trop m'étendre puisque je crois que vous avez un document qui est assez important. Et puis je le rappelle en dernier, parce que j'aurais dû le faire en premier, mais je le dis, c'est les efforts importants qui ont été faits sur la santé. Que ce soit les communes ou le PayJax Aglo, on a pas lié malgré tout à un manque certain de, de structuration et puis de capacité de l'État à réagir euh, dans cette crise sanitaire, en tout cas à son début. Donc euh, voilà, avec des financements qui n'ont pas été à la hauteur pour nous soutenir. Donc on a renégocié au travers de ces assises de la santé, mais ça c'était sur cette année. Mais en tout cas, ça s'est préparé sur l'année d'avant, puisque le 16 euh, au centre hospitalier du PayJax a ouvert, heureusement, euh, début janvier 2020. Et a basculé tout de suite euh, en février-mars dans euh, le Covid en, en étant euh, un centre tout immédiat de, dé de détection, ce qui nous a quand même énormément servi. Euh, parce que si ça n'avait ça pas été en place, on aurait été euh, encore une fois dans une situation encore plus compliquée. Et là, on a un outil euh, sur lequel on va se battre encore pour euh, renforcer les moyens, que ce soit avec la région, mais aussi avec tous les partenaires possibles. Et l'ARS qui doit absolument nous aider, puisqu'on palie encore une fois un manque qui n'est normalement pas de notre compétence, euh, pour qu'on puisse offrir aux Géciens, en tout cas, euh, le, le développement de soins de proximité qui ne va pas résoudre tous les problèmes, qui n'est pas un hôpital de, comme on peut en avoir à Annecy ou ailleurs, mais en tout cas qui, qui répond à une réelle demande pour, de proximité. Et qui peut permettre, dans un système sanitaire qui est très compliqué, un désert sanitaire dans le pays de GEC, qui est réel, hein, qui peut permettre justement de, de, de réduire un peu cette fracture, en tout cas sur une bonne partie des actes de première nécessité, si j'ose dire, en tout cas de premier secours, de, de, de petite urgence, comme, comme on veut bien le dire. Voilà. Et puis après, il y a des choses que je n'ai pas citées, mais que vous retrouverez dans le document ou que vous pouvez me poser en question si vous en avez. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais bon, c'est quand même un sujet important pour nos activités y compris municipal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur euh, ce que vous avez pu lire d'ores et déjà sur ce document Pas de questions bon, on va écouter. En tout cas, n'hésitez pas si ça vient après le conseil municipal. Hein, on, on reste évidemment euh, ouvert pour en discuter, que ce soit les services de jacques -de taglou ou les élus du bureau exécutif. On prend acte, donc il euh, n'y a, a pas de, de vote de validation. Et puis j'entame... Je, la litanie des commissions. Donc je crois que la première, c'est Madame Vanel Normandin, puis c'était Loïc et il est absent. Tout à fait. Alors, euh, ça va être rapide comme d'habitude. <laughs> Donc euh, on a traité deux PC pour des maisons individuelles qui ont reçu un avis favorable. Pardon, des permis de construire. Un permis de construire modificatif qui a reçu un avis favorable. 11 déclarations euh, préalables euh, ont été traitées, une a reçu un avis défavorable, une était incomplète et neuf ont reçu donc des avis favorables. Et deux autorisations d'enseigne ont été déclarées incomplètes. Et voilà, merci. Des questions sous cette commission Que je n'ommerai pas de fantômes parce qu'après j'ai des remarques désagréables. Non, pas de questions Merci. Commission Affaires culturelles et jeunesse, c'est Dorian Mazet qui rapporte. Merci monsieur le maire. La commission culture s'est réunie le mercredi 29 septembre. Nous avons pu faire un point sur l'ensemble des événements passés durant la saison estivale, comme le forum des associations qui s'est déroulé en version allégée le 3 juillet, les trois séances de cinéma plein air qui ont eu lieu en juillet et en août, les concerts d'été qui se sont déroulés dans plusieurs quartiers de la ville, Estivagex avec notre premier marché nocturne et le report du feu d'artifice du 13 juillet. Le JPZ Jazz Band, qui était le premier spectacle de la saison culturelle et les journées du patrimoine du 17 septembre. Nous avons ensuite fait le point sur les activités des jeunes conseillers municipaux du CMJ. Durant les grandes vacances, ils ont réalisé les fresques aux abords de l'école de Paroset et des Vertes Campagnes. Les fresques des écoles jeunes d'arc et pertant ont été réalisées durant les vacances du mois d'octobre. Ils ont aussi participé à la conception de six guirlandes en soutien-gorge rose pour Octobre rose dans le cadre de la sensibilisation du public au cancer du sein. Le 9 octobre, les jeunes du CMJ ont participé à une sensibilisation au risque du tabac. À la mi-octobre, les jeunes ont participé à une... Organisation qui a été organisée par le groupe Duval, l'aménageur du cœur de ville, afin de les impliquer au projet cœur de ville. Ce fut l'occasion pour nos jeunes conseillers municipaux de participer à différents jeux qui étaient en rapport avec le chantier cœur de ville. Ils ont aussi participé le 16 octobre à la vente de brioches sur le marché au profit de l'ADAPI. Dans un troisième temps, la Commission a été informée sur les événements programmés à venir durant les prochaines semaines, à savoir la représentation de Sand, qui était le deuxième spectacle de la saison culturelle, la cérémonie des nouveaux arrivants, le marché des créateurs du 16 et 17 octobre, qui s'est déroulé sous un format inédit à l'Espace Pertan le lancement du festival Petits yeux grand écran qui avait lieu du 27 octobre au 3 novembre et enfin le spectacle de Lola Dubini qui s'est déroulé hier après-midi. Par la suite, un point a été fait sur les activités du cinéma ainsi que sur ses futurs projets et un point sur l'activité de la bibliothèque. Nadine Cacon nous a ensuite présenté le pass culture, on ne va pas revenir en détail sur ce point car Dominique nous l'a présenté il y a quelques instants. Et enfin, dans les points divers, il a été proposé aux membres de la commission culture de partager les événements culturels sur leurs réseaux sociaux afin d'augmenter la visibilité des événements de la commune. Il a été aussi proposé plusieurs actions pour promouvoir les différents spectacles organisés par la commune. Merci, monsieur Mazet. Je voulais lever un doute. Il paraît, il y a une information publique qui est parue, qu'encore vous avez des dons. De magiciens, de prestidigitateurs et autres. Est-ce que c'est réel Parce que sinon, vous pourriez renforcer les animations sans que ça coûte un sou à la commune. C'est une blague de mon collègue. Ah, pardon. Ah non, mais je croyais que c'était quelque chose que vous nous aviez caché. Bon, mais c'est dommage, ça nous aurait permis de faire des, plus d'animations avec moins de budget. Bon. Merci en tout cas pour cette présentation qui était intéressante. Est-ce qu'il y a des questions, M. Mazet Donc c'est faux, il n'est pas prise de. Je suis déçu, hein, parce que franchement, j'avais mis beaucoup d'espoir dans ces dons. Il n'y a pas de questions Bien, merci. Le point suivant, c'est M. Pellet, donc Espace public, environnement et travaux du 21 octobre 2021. Oui. Donc un point sur le centre sportif de Chauvilly, donc l'inauguration et la création de parkings de bus, donc en attente du devis des phages. L'installation, du moins une proposition, le SIEA nous a fait une proposition pour la mise en place d'ombrières sur le site de Chauvilly. Donc, la commune a lancé fin octobre 2021 une publicité, avis d'appel à manifestation d'intérêt de, no... de fin octobre à fin novembre, puis un passage en commission MAPA en décembre et au conseil municipal de janvier 2022. Un point sur les travaux des combles de la mairie. Donc une mission de maîtrise d'œuvre a été lancée pour l'aménagement des combles de la mairie. Consultation jusqu'au 15 novembre. Donc, euh, nous retiendrons trois candidats les mieux placés pour un jury composé de cinq élus et quatre fonctionnaires. Les travaux d'alarme de la mairie. Un point sur euh, la maison de santé euh, pluridisciplinaire. Donc, les travaux ont débuté aujourd'hui. Le point sur euh, le programme de voirie. Donc, euh, sur Jacques-Laville, Bonarche, Charpac, Tougin. En sachant que pour la, la rue Bonarche, les travaux ne commenceront pas avant le printemps 2022. Le point sur le programme des plantations, donc hiver 2021, printemps 2022, remplacement des arbres morts, l'aménagement de, de nouvelles plantations et un projet d'axe d'amélioration du rond-point de la gare, rond-point de Belleferme, rond-point de Rogeland. Les, en question diverses, euh, l'installation d'un CELP pour la restauration de l'école élémentaire de Pertan. L'installation au camping de deux abris euh, récupérés par chez Dynacité pour euh, l'installation d'un local poubelle et un local d'aménagement de, de, de loisirs. La sécurisation des interventions sur le toit du Turet et des accès aux toitures. Des travaux de l'ONF, donc, par un microminage de blocs au-dessus de la RD 1005, ainsi que des travaux de diagnostic de risque de chute sur la parcelle 108, route du col de la Fossie. La convention, donc, avec le Conseil départemental pour autoriser l'usage d'une parcelle communale, mise en place d'un dispositif contre les éboulements rocheux, et L'installation d'un panneau à message variable au rond-point de Château Gagneur dans le sens descendant. Des questions, monsieur Pellet qui lui n'est pas le magicien, donc quand en fait, ça goudronne, c'est du réel. <laughs> pas de questions particulières, bien et merci, monsieur Pellet. Donc, ensuite, c'est Véronique Gillet pour la commission Solidarité Logement. C'est à deux voix avec Virginie ou non vous deux oui, voix à deux, comme... fois, oui, à deux voix. Fait. Merci, monsieur ça, ça rejoint la culture. Un peu. Donc, euh, en point 1 de la commission logement, euh, nous avons abordé les différentes missions du service. En point 2, euh, nous avons donné euh, quelques chiffres sur euh, les logements qui ont été attribués en 2020. Malheureusement, comme c'était la période Covid, euh, il y a certains chiffres que nous n'avions pas eus. Donc Dynacité nous les a fait parvenir il y a quelques jours en arrière. Donc si jamais il y a des personnes qui les veulent, ils peuvent se rapprocher du service, on leur donnera les chiffres. Et les chiffres de Solar, nous ne pourrons pas les avoir puisqu'ils avaient été victimes d'une cyberattaque. Donc ils n'ont pas pu récupérer les données. En point 4, nous avons abordé la gestion des réservations en flux, ce qui va se mettre en place en 2022. En point 5, nous avons abordé le travail sur la cotation de la demande. Ça, ça va se mettre en place également en 2022. En point 6, nous avons abordé la modalité de, de signalement des logements en non-conformité. Et en point 7, quelques chiffres concernant le parc de logements de la commune de Gex. Est-ce qu'il y a des questions Alors s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à ma collègue Virginie Zeller-Planté pour la partie solidarité. Alors pareil, donc nous on a aussi évoqué tout ce que le service pouvait faire, donc la domiciliation. On a aussi évoqué les chiffres, donc je ne vais pas revenir dessus. Après, on a parlé aussi du portage des repas. Après, on a, on a parlé de ce qu'on avait fait donc, euh, au foyer des Saints-Anges. donc Il y a des animations qui se, qui se font à peu près chaque mois. Il y a aussi eu beaucoup de travaux qui ont, qui ont été faits. Notamment, bah, ils sont quasi finis euh, à l'heure actuelle. Après, on a parlé aussi des aides sociales, donc euh, les bons alimentaires, les secours financiers, les aides financières. On a parlé aussi donc, de Gex Move qui s'est pas mal développé. Et après, donc, il y a eu aussi quelques chiffres abordés concernant le revenu et la pauvreté, les seniors, les colis de Noël et les événements 2021 qui se sont passés. Donc, la sortie des aînés qui a eu lieu le 17 septembre, qui a beaucoup plu aux aînés. La semaine bleue qui s'est passée le 5 octobre avec euh, l'orchestre crescendo qui a beaucoup beaucoup plus euh, à la jante masculine on va dire et donc euh, après donc il y aura le repas des aînés qui est <laughs> après il y aura le repas des aînés donc qui est normalement prévu euh, le 9 le janvier et voilà j'ai fini y a des questions planté sur le cancan ou autre non <laughs> Tiens, je vois qu'il y en a qui étaient dans la salle. <laughs> Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci à vous deux. Et puis ensuite, c'est M. Gérard Ivanez qui va nous parler de scolaire. La commission éducative et scolaire s'est réunie le 12 octobre avec un bilan de rentrée. Il y a eu deux ouvertures de classes à l'école parosée, une en maternelle, une en élémentaire avec la création d'un poste d'ATSEM et d'un agent polyvalent supplémentaire. Les effectifs sont, étaient à la rentrée de 1142 élèves, 479 en maternelle et 663 en élémentaire. Ce chiffre a légèrement augmenté depuis, mais reste en baisse par rapport à la rentrée précédente, ce qui porte la moyenne théorique par classe à 25 élèves. Un chiffre qui satisfait les enseignants mais fait craindre la possible fermeture de classe l'année prochaine. Et à ce sujet, la campagne de prévision d'effectifs a débuté en lien avec l'éducation nationale, les services d'État civil et d'urbanisme de la ville. Pour les établissements privés, l'école Jeanne d'Arc a un effectif de 539 élèves, dont 221 domiciliés à Gex, qui représentent 41% de l'effectif. Et une moyenne théorique par classe de 27 élèves. Et l'école Saint-Joseph a quitté Gex pour s'installer à Divonne. Pour la restauration scolaire, une légère baisse est aussi constatée. Et de plus, le restaurant scolaire Pertan étant le seul restaurant en service à table, le cabinet BETR a été missionné pour une étude de faisabilité d'un self-service, un sujet que déjà Christian avait abordé. Le coût estimé de cet aménagement est d'environ 120 000 euros hors taxe avec un niveau de subvention possible de 20 à 30 L'exécutif est favorable à ce projet. Il reste à définir les possibilités de financement avant décision. La fréquentation du périscolaire est en constante augmentation et afin de gérer au mieux les inscriptions, il a été décidé d'évaluer la capacité d'accueil maximale de chaque site en fonction des contraintes et recommandations réglementaires et de la configuration des lieux. Au sujet des interventions dans les écoles financées par la ville de Gex, après une pause en raison du Covid, les, ces activités ont repris, notamment le partenariat avec un profession sport et une intervenante sportive pour, a été recrutée pour un budget d'environ 6 000 euros pour 120 heures d'intervention. Cela permet deux projets annuels par école, et le partenariat avec les CMR a lui aussi repris. Je ne reviendrai pas dessus. On l'a évoqué tout à l'heure pour l'avenant. Et il y a eu aussi dans le cadre de la convention de l'écopâturage, où il y avait un volet éducatif de prévu, soit cinq demi-journées. Deux écoles plus le centre de loisirs ont bénéficié de ce dispositif. Un bilan d'activité du centre de loisirs a aussi été présenté et concernant les projets futurs, ils ont été développés au cours du copil pedt d'été du 21 octobre. Ont été évoquées aussi les actions culturelles de la ville en lien possible avec les écoles ont été abordées, les actions du CMJ, festival Peace, journée médiévale, confrontation, téléthon. Hormis le carnaval, il a été constaté une faible participation des écoles à ces manifestations. Voilà. Tes voilà. questions, à M. Ivanès, pour le mettre sur le grill un peu, parce que d'habitude c'est le contraire. <laughs> non Pas de questions Bien, merci pour cette, euh, ce bilan complet. Ensuite, c'est l'économie locale, c'est Madame Delphine Cossard qui rapporte. Delphine. Quand la petite lumière rouge est... Euh, voilà. Donc, la commission s'est tenue le 19 octobre. Le premier point porté sur le camping municipal avec la présentation par le cabinet Alliance de la restitution de l'étude des choix stratégiques. Donc une décision devra être prise assez rapidement sur la mise en œuvre ou pas du programme d'action et d'investissement préconisé pour remettre le camping à flot. Dans l'attente de la mise en œuvre éventuelle du programme d'investissement, la saison 2022 se déroulera comme les années précédentes. La gérante actuelle a déclaré être intéressée pour poursuivre l'exploitation de l'établissement. Le deuxième point concernait le fonds de commerce 65 rue des terreaux, donc le bar le trèfle. Le candidat retenu pour la reprise du fonds s'est désisté en raison des travaux de mise aux normes à prévoir en termes d'accessibilité et de sécurité incendie. La ville va donc réaliser des travaux avant d'engager une nouvelle démarche d'appel à candidature. Le troisième point portait sur le programme des petites villes de demain. Avec la présentation des fondamentaux, qui consistent en un dispositif contractuel entre l'État, PayJax Aglo et les villes de Gex et d'Yvonne-les-Bains, un soutien pour les villes de moins de 20 000 habitants, touchées par des problématiques spécifiques, l'accès au crédit à la relance pour intervenir sur l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale. C'est donc un programme dit coûts humains. Donc ensuite, il y a eu un point ici sur l'opération de revi revitalisation pardon, du territoire, qui est un outil pour les élus pour mettre en œuvre un projet de re revitalisation globale de centre-ville et qui porte sur des thématiques spécifiques comme la rénovation de l'habitat, la revitalisation commerciale et les friches urbaines. Euh, dans le projet politique Gexois, les trois grands axes ressortent, enfin, qui ressortent, c'est la tradition et l'histoire de Gex. Jex comme ville résolument tournée vers l'avenir et Jex une ville pour tous. Le quatrième point concernait le volet commercial de l'opération Cœur de Ville. Donc, lors du dernier comité euh, commerce, a été discuté le plan de merchandising et les orientations qui ont été exposées. Donc, concernent le bâtiment 7 avec euh, une décision où il n'y a pas de magasin d'alimentation, mais plutôt un commerce dans le domaine de la culture et du loisir. Le bâtiment 2. Euh, pour la même chose, culture-loisirs. Bâtiment 4, ce serait 2 à 3 enseignes alimentaires au maximum, qui seraient diversifiées, comme cavistes, fromager ou autres. Et le bâtiment 5, une brasserie, avec abandon d'une enseigne de restauration rapide. Le cinquième point concernait la réponse à l'appel à candidature lancé par le ministère de l'Intérieur pour l'accueil de services administratifs déconcentrés. Donc la ville de Gex a répondu à cet appel, lancé le 27 septembre. Pour l'accueil dans les territoires de services administratifs du ministère de l'Intérieur, les villes d'implantation pourront accueillir des services de 15 à 230 agents. Donc, euh, les locaux qui seraient concernés sont ceux de la douane, rue du Mont-Blanc, euh, le site de l'Aiglette, anciennement Enedis, euh, rue des Transporteurs, et le site de l'usine STPS, rue Léon de Joinville. Il a été annoncé que seules quelques communes seront retenues sur l'ensemble du territoire national. Et pour finir, nous avons fait un point sur les différentes animations des vitrines de GEX et sur les divers mouvements et installations euh, récents des commerces sur la commune. Merci Madame Cossard pour ce compte rendu synthétique. Est-ce que M. Pipnac ne veut pas compléter C'est bon Parfait. Il y a des questions là, sur, euh, à Madame Cossard sur le sujet commercial, économique, touristique, euh, festif Pas de questions Bien. Eh bien, on en a terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie tous pour vos interventions. Je parle de ceux qu'on présentait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres interventions. En tout cas, merci pour, pour ces comptes rendus diverses. Je vous signale donc... Euh, oui, alors vous avez aussi la lecture des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce listage à laprès vert de tout ce que je signe au quotidien là Non Pas de questions particulières le prochain conseil municipal donc aura lieu le lundi 13 décembre 2021 à 18h30 et en attendant je vous souhaite une très bonne soirée. Et